If you get to hear me now. Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Sunrunner. Aujourd'hui un tuto sur Destiny 2 sur la console PlayStation 4, comment obtenir des clés de coffre cryptées et où les utiliser et qu'est-ce qu'on obtient comme loot. Alors tout d'abord, comment les avoir? C'est en terminant l'histoire de l'esprit tutélaire totalement à fond, ensuite les assauts épiques, les aventures épiques ou alors les nuits noires ou les raids ou les entre-deux raids. Alors pour ma part, sur Mars, auprès d'Anna, j'ai terminé les petites missions, c'est ce qui m'a permis d'accéder aux assauts hippiques. Et ça m'a débloqué 3 clés de coffre cryptées. Et ensuite, comment les obtenir? C'est très simple. Alors il vous faudra faire un protocole d'intensification, une espèce de mode de horde où vous affrontez des vagues d'ennemis de plus en plus puissants. Il va y avoir une 7e vague, et dans cette 7e vague, il va y avoir l'un des 5e boss uniques en rotation chaque semaine. Et quand vous avez vaincu ce boss, justement, il va vous donner un coffre. Et avec cette fameuse 7e clé, parce qu'il vous faudra 7 clés de coffre cryptées, justement, pour obtenir une seule même clé. Et avec cette même clé que vous allez obtenir et tuer le boss de la 5e unique vague en rotation chaque semaine sur Destiny 2 sur la console PlayStation 4, vous allez obtenir des loots exclusives telles des armures ou des armes de Rasputin. Voilà les amis. Vous savez tout. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner. Peace.